Un avant-bras, c'est une ligne. Plus il y a de monde, plus je peux créer des images, écrire des choses, faire plus d'effets en fait. C'est comme un écran. Plus il y a de pixels, plus ça fonctionne. Et là, pour le coup, c'est exactement la même chose. Sadek Beraba, chorégraphe. Je viens de Forbach, une petite ville dans l'est de la France, entre Metz et Strasbourg. Et à la base des bases, je voulais me spécialiser dans le dessin. Et au final, je suis arrivé à être plombier, maçon et aujourd'hui chorégraphe. Impossible de passer à côté de ses créations. Des Grammy Awards aux Jeux Olympiques, en passant par Shakira, Jennifer Lopez et Christian Louboutin, tout le monde s'arrache le génie créatif de Sadek Beraba. En quelques années, il a réussi à imposer son style, reconnaissable entre tous. J'ai commencé en tant que freestyler, donc danseur solo. J'étais spécialisé dans un style de danse qui s'appelle le popping, donc c'est vraiment tout ce qui est contraction musculaire, tout ça, et locking. J'ai vraiment développé, commencé à comprendre ce que je faisais. De là, ça m'a permis de développer mon style, d'être, commencer à avoir un nom dans la communauté. Passionné de dessin et inspiré par Michael Jackson et Michel Courtemanche, il se fait connaître du grand public en 2017 grâce à une vidéo de son collectif Géométrie Variable devenue virale. Mon style à moi, c'était de comprendre les lignes du corps, donc de son corps, c'est-à-dire d'avoir des points, des carrés, un peu partout. Il faut jouer avec les isolations du corps, le point fixe. Et quand on a compris son Rubik's Cube, parce que c'est en vrai, c'est un Rubik's Cube, il y a des points, il y a des lignes partout. Tu comprends ton Rubik's Cube, tu le connectes avec quelqu'un d'autre, donc son Rubik's Cube à lui. Et de là, tu peux créer des formes géométriques ensemble. Et moi, ce que j'ai voulu après, par la suite, c'est ne pas seulement connecter deux corps, mais en connecter 100, 60, etc. En 2023, il décide d'adapter ses créations dans un spectacle, Murmuration. Murmuration, c'est les nuages d'oiseaux, les balais des tourneaux. Et ça, ça a été vraiment inspirant pour moi de me dire qu'en fait, c'est un oiseau. Il a décidé d'aller à droite, donc du coup, tout le monde va suivre et ça va créer des formes, des vagues. C'est très instinctif, et c'est magnifique. Chaque danseur doit avoir ses propres comptes et sa propre chorégraphie. Pour créer, par exemple, un effet de vague, on va dire, j'ai les danseurs qui sont ici qui doivent commencer à 1 et 2, 2 et ainsi de suite, ce qui crée ces effets de vagues et tout ça. Donc même si on est 1000 danseurs, personne n'aura exactement la même chorégraphie que l'autre. Accompagné par 40 danseurs, il dévoile un ballet hypnotisant, poétique et résolument moderne. Ce que j'aimerais transmettre à travers mes performances, c'est des messages, vraiment des messages. Rien que le fait de voir plusieurs personnes, plusieurs êtres humains connectés ensemble, peu importe qui tu es, peu importe d'où tu viens. J'ai fait des projets où je suis très content d'avoir fait ça avec des personnes en situation de handicap, donc en fauteuil roulant, des sourds et muets. Cette chorégraphie, ce concept-là, c'est un message universel. C'est tout le monde est capable de faire et quand on se connecte tous ensemble, on peut créer des choses magnifiques. Si Murmuration est l'accomplissement d'années de travail, l'imaginaire de Sadek Beraba n'en est qu'à ses prémices. Là, j'ai volontairement fait un spectacle simple. J'ai juste des cubes sur scène avec des danseurs habillés en noir et leurs bras. Je peux y incorporer de la technologie, des écrans, j'ai plein de choses à développer. Et je pense que dans les 5 prochaines années, ça va être ça. Ce que je veux quand les gens sortent de la salle, c'est qu'ils aient des oiseaux plein la tête et qu'ils continuent à s'entraîner à la maison avec les enfants, avec le papa, la maman, tout ça. Parce que c'est vraiment un mouvement de partage.